échappé un petit macaron. Oh non. Oh non. Ouh. 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 Donc on est jour 1 de notre trip à Québec. On est la Concorde, nous voilà. On est la Concorde, nous voilà. Oh wow, on est tellement dans un beau quartier ici, mais qu'est-ce que c'est excitant, oh my god! Je capote sur les bâtiments, c'est tellement beau, les architectures. Je capote. Regardez celui-là. Bon, tiens, il y en a un qui se parque devant. Non, mais hein! Oh my god, c'est tellement beau! Ah, c'est magnifique, c'est magnifique! Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est au Concorde. Vous êtes bien, madame. Vous êtes bien, j'ai dit. Êtes-vous prêts? On va vous montrer la chambre d'hôtel. Ça, c'est la salle de bain. Look at this view. Je me suis fait des petits achats. J'avais envie de les montrer. J'avais besoin d'une petite camisole pour avoir un chandail. J'ai racheté des cuissards comme ça. J'aime trop le style que ça fait. Que dire, Marat? Est-ce que vous voulez d'aller de l'autre côté? Il y a les trous en avant ici. Mais j'ai décidé de revenir à l'envers. Puis je trouve que même que c'est plus beau, je trouve. J'aime vraiment ça, le style que ça donne. Puis j'ai hâte de le porter ce soir. Oh, regardez la vie qu'on a. On est au 26e étage. On était où donc? Ça, c'est la grande allée. C'est beau, j'ai quasiment averti. On était là. Bon matin! Bon ben bonjour! Aujourd'hui, on est le jour 2 de notre trip à Québec. Comme planning de la journée, on a un petit truc à 11h. On va aller voir les musées, c'est ça. C'est une belle journée pour être Jaja. Et quand t'as vu Georges. Je me croirais genre dans Casse-Noisette, on dirait. Puis on dirait que c'est l'ambiance, la musique du Casse-Noisette. Je me croirais qu'on dirait qu'on est à quoi en Casse-Noisette? On dirait qu'on est dans Casse-Noisette.
regarde, le sol il change. Il change aussi, hein? Oui, il change. Il change. Il est remarqué aussi. Oh, wow! Wow! Ah, on dirait que ça. Bon, ben moi je me change de chaussures, j'ai vraiment mal aux pieds. Si ça vous dérange pas, moi je mets mes espadrilles. C'est l'exposition que j'étais venue voir. À l'école, j'avais fait un travail sur l'artiste Riopel, Jean-Paul Riopel. On avait pris cette œuvre d'art-là parce que je trouvais qu'elle était vraiment belle et qu'elle m'inspirait beaucoup. Puis, ben, je trouvais ça cool, tu sais, de la voir en vrai. On avait fait une recherche de style à l'école. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de venir voir. C'est des oiseaux. Ils ont pris des vrais oiseaux, puis je pense, puis ils les ont trempés dans de l'huile. Ah, cette partie-là est vraiment belle. Oui, ma partie préférée. C'est justement là, comme ça qu'on l'a fait, notre projet d'art. Là. On avait reproduit l'œuvre d'art, puis c'était comme ça un peu qu'on avait fait. On avait collé des oiseaux, puis on avait mis des plumes. J'adore, c'est vraiment beau. Ça s'étendait sur genre plein de pièces. Moi, c'est ça. L'exposition s'appelle « L'hommage à Rosa Luxembourg ». Parce que moi, je capote tellement ces Mini Cooper, là, c'est tellement beau, c'est genre mon char de rêve. Je veux une Mini Cooper dans le futur. Si j'ai une Mini Cooper, je trouve ça tellement beau, ok. C'est ça ma vie. Vraiment, je trouve tellement stylé puis original. Moi, ça me prend un char original dans la vie. Parce qu'en ce moment, je vais chercher un char, là, puis genre, j'ai cherché partout. Pas trouvé un char usagé. Si vous me trouvez une Mini Cooper, appelez-moi. Ok, on s'en va chez nous. Ok, je me souhaite un petit chinois. Parce que j'étais écœurée d'avoir les cheveux lousses. Cette année-ci, j'aimerais vraiment ça faire des chignantes comme ça. Je trouve ça vraiment cute. Ok, êtes-vous prêts à voir la vue? Du fleuve. C'est la vue du fleuve, hein? C'est le fleuve. Ok. Let's go back home. J'ai essayé de ne pas me bêcher parce que tantôt, je me suis bêchée avec les deux selles des mains. Yeah! Il est là, il y a genre un nid de guêpe là, il y en a un autre là-bas, puis on partait pour prendre une photo, on était derrière un nid de guêpe. Hello. Back at it with the mask. Back at it again with notre ami le masque. On est à la boulangerie, une pâtisserie, à Stoneham. Pour aller s'acheter du bon fromage puis du bon pain. Je souris là, en ce moment, là, mais ça paraît pas. Les joies du masque. Et c'est sur cet énorme macaron que va finir cette vidéo.